Et voici Don Juan triomphant, c'est un sacré nom ça pour Alohara, prédestiné. Un fils de Dreamhead, qui est l'un des étalons européens les plus confirmés sur le sprint, et lui-même, ce Don Juan triomphant, n'est pas en reste, puisqu'il a accompli une carrière au haut niveau sur les courtes distances de 2 à 6 ans. À 2 ans, il a déjà gagné l'Eastud et le Critérium de Maison Lafitte, un groupe 2. À 3 ans, deuxième du Maurice de Guest. À 4 ans, il regagne une Eastud et se place de groupe 1. Et alors là, à 6 ans, alors qu'on pensait qu'il avait atteint ses limites, le voilà qui gagne le Champions Sprint à Ascot, le Champions Day, devant la foule, où il bat, je crois, 8 ou 9 gagnants de groupe 1, Brando, Advertise, Hello Hume Zane, The Tin Man, Sons of Mali, bref, tout ce qui se faisait de mieux sur le sprint européen. Voilà pour ce Don Juan triomphant qui est rentré sain et net au Hara, taillé en sprinter, comme vous le voyez. Il a eu eh bien, ses premiers falls l'an dernier. Il aura des premiers yearlings cette année. Cheval Dreamhead sur Tagula, c'est de la vitesse, même si Tagula a su produire un peu en obstacle. Mais lui, bon, c'était un pur sprinter, un fils de Dreamhead qui est déjà un père de père qui s'illustre avec un cheval comme Alukaïr, des chevaux qui savent débuter tôt mais qui progressent avec l'âge. Lui, c'est vitesse, c'est précocité, mais pas que, puisque les sprinteurs à l'anglaise, ils débutent tôt, mais des fois, ils s'améliorent avec l'âge. C'était son cas, il a gagné son groupe 1 triomphalement à 5 ans et est proposé à 3 000 euros au Hara de la Barbotière pour sa troisième saison.